le marché algérien et le marché tunisien et le marché russe en matière de nuitée sont les trois premiers marchés. Donc, nous ne pouvons pas pour développer ce marché. Donc, j'aimerais remercier le Kouyat Al-Asfar pour cette initiative. On va remercier également l'ONTT qui nous a assistés pour organiser cet événement. Donc, c'est une très très belle initiative qui doit nous permettre demain de travailler avec nos amis et frères algériens d'une manière constructive. Je ne vais pas dire rationnel, scientifique, mais pour vraiment développer, je crois que l'Ukraine Asfar vous a aidé à toi, les gens qui m'ont dit Asfar, Mohamed Orobawir, pour acheter des lits, organiser, mais je crois que vous avez vu qui joue le Tunis, à MG, mais c'est un incident. Il n'y a eu que un ou deux incidents qui sont dus, disons, au manque de professionnalisme de certains pseudo-opérateurs. On veut organiser, comme le marché, comme on a dit hier, le marché tunisien, en termes de relations avec les hôtels, a été organisé au fil des années, à savoir aujourd'hui, le Tunisien va dans un hôtel tunisien, soit en réservant par le net, soit en passant par une agence locale. Donc, ce qu'on voudrait que demain, que nos frères algériens, quand ils viennent en Tunisie, il passe soit par une agence algérienne directement, soit par une agence tunisienne d'une manière directe ou indirecte. Et de telle manière, nous avons un match qui est tout le siar, le compit, le maujouda, le sanafi, etc. Donc, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Voilà.